Les moustiques. Vous savez, chez nous en Afrique, les moustiques, c'est un fléau. Mais à Niamey, c'est une vraie mafia. Vous savez, c'est pas comme les moustiques des autres pays africains là, hein. Les moustiques qui viennent te chanter une berceuse ou une chorale pour te faire dormir avant de venir te piquer. Les moustiques à Niamey, mais ils sont organisés en armée d'élite, les salauds. Mais dès qu'ils te repèrent, ils ne te lâchent plus. Escadrille en formation de combat, escadrille en formation de combat. J'ai la cible en visuel, j'ai la cible en visuel. Et se dirige vers l'hôtel de la place. Mais les moustiques m'ont poursuivi jusqu'à dans ma chambre d'hôtel. J'ai ouvert ma porte de la salle de bain. Le moustique, il était là comme ça, dans mon bain. Il m'a dit, ferme la porte. J'ai sorti mon piche-piche, vous savez, l'anti-moustique là. Le moustique, il est tombé par terre. Il s'est réveillé. Mais dis donc, tu as failli m'étouffer, hein. Tu sais, déjà des moustiques qui te piquent et puis qui font des commentaires sur ton sang. Ouais, hein. Je crois qu'elle a mangé du mafé, hein, hier. Non, mais je te jure, ceux-là, ils sont énormes. Tellement énormes que quand ils te piquent, ils te pompent tout ton sang, mais tu deviens une momie. Hé, hey, mon frère, accroche-toi pour l'écraser, mais tu te gifles tout seul, c'est tout ce que tu peux faire.